fais la lecture guidée avec mes élèves parce que ça les aide à avancer dans leur niveau, finalement le niveau GB+ qu'on a vu auparavant. On travaille certaines stratégies spécifiques avec eux à ce moment-là. C'est rare qu'on ait l'occasion de travailler en petit groupe de 4 élèves, ou des fois c'est 5, mais habituellement on les garde en petit groupe. Donc, on travaille des stratégies, les stratégies données dans le guide d'enseignement de la lecture, comme l'inférence, les mots-liens, plein d'autres stratégies là, de lecture. Aujourd'hui, on va faire de la lecture guidée. Tous les amis ici à la table sont au niveau 15 GB+. Donc, vous allez avoir chacun un livre. Je ne veux pas que vous regardiez ce qui est écrit, OK? On regarde les images en premier. Donc, je vous donne un petit carton. Je vais vous en donner deux, parce que des fois, hein, Damien, il y a des mots des deux côtés, puis on se fait prendre. C'est pas grave s'il y a une petite lettre qui dépasse, si t'es pas capable de tout cacher. L'important, c'est que moi, je veux pas que tu lises. Je veux que tu regardes. Donc, regarde ici, là, il y a le E. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on cache comme il faut. Même qu'est-ce qui est si tu vois le E, tu peux même pas savoir c'est quoi ça. C'est ça. Donc, on peut pas lire.